La vérité dont la mer est l'histoire, émule du temps, dépositaire de nos actions, témoin du passé, modèle et leçon pour le présent, avertissement pour l'avenir. Robinetterie Stella depuis 1882. 130 années d'histoire liées à l'habileté et au talent italien. Depuis qu'en 1882, Pietro Stella a décidé de s'occuper de robinets, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Cette année-là, il fondait sur le lac d'Ort une robinetterie considérée aujourd'hui comme la plus ancienne au monde. Une histoire et un prestige fondés sur un travail artisanal de très haute qualité, mis en œuvre inlassablement dans chaque produit, dans chaque élément, dans le but de toujours améliorer et innover. Pietro Stella renonça très tôt à un éventail de production trop large pour se spécialiser dans les robinets sanitaires ainsi que dans les accessoires de salle de bain et de cuisine. Un des premiers robinets Stella devint un des éléments indispensables pour le circuit d'alimentation de la Fiat Zero. Dès les premières années 1900, l'entreprise atteint les sommets de la production mondiale. C'est à cette époque qu'ont été créées les séries Italica, Roma et Eccelsa. Le nec plus ultra du robinet, c'est un Stella. Une marque devenue synonyme de robinet parfait. Aspirer à la meilleure qualité pour un luxe sans compromis, c'est depuis toujours la philosophie Stella. Chaque produit Stella est un original, de par son esthétique, son bon fonctionnement et sa technologie portée au plus haut niveau. Des lignes qui défient le temps. Plus que contemporaines, elles sont éternelles. La qualité Stella n'a qu'un secret. Nous travaillons assidûment dans la recherche de l'excellence. Réaliser des produits de haute qualité requiert de la méthode. La méthode Stella est basée sur plus de 130 années d'expérience et de passion, améliorée par une constante innovation. La différence entre civilisation et progrès. Les anciens Romains utilisaient des matériaux onéreux et surdimensionnés. De nos jours, les matériaux utilisés sont pauvres et sous-dimensionnés. Stella est le seul producteur qui, pour ce qui concerne les parties encastrées en contact direct avec les murs, favorise le bronze au lieu du laiton pour éliminer tout dommage au niveau des phénomènes électriques, chimiques ou mécaniques. La preuve en est l'exceptionnel état de conservation des systèmes hydrauliques en bronze utilisés par les anciens Romains. Le soin du moindre détail. Les finitions sont réalisées après un nettoyage et un polissage impeccable pour une adhérence parfaite du revêtement. La protection des agents chimiques octroyés par le chrome et le laiton, la pureté de l'argenterie et l'épaisseur de la dorure garantissent la fiabilité et la durée de façon exceptionnelle. Ce qui pour d'autres est prêt pour être chromé, c'est encore pour nous à l'état brut. Avant le processus de finition, les pièces subissent un traitement au nickel d'une grande épaisseur, en moyenne 18 microns. L'argenté arrive à une épaisseur minimum de 10 microns d'argent pur. La dorure est à 23,5 carats, la pureté de 250 vicaires environ et une épaisseur importante en moyenne de 1 à 1,5 microns. La finition laiton Stella possède une valeur ajoutée particulière. Un alliage d'or et d'argent qui rendent la teinte unique et la protection PVD la rendent insensible aux agents chimiques et atmosphériques. Stella n'est pas seulement une robinetterie, c'est un style de vie. Le style de celui qui choisit ce qu'il y a de mieux, de celui qui est attentif aux moindres détails, qui prétend au maximum de qualité et qui n'est jamais satisfait. De celui qui recherche ce petit plus, qui transforme un objet classique en un concept de style et dans lequel il se reconnaît. Depuis 1882, nous travaillons pour satisfaire pleinement les clients exigeants.
un défi qui alimente encore aujourd'hui notre passion. Nous découvrons la richesse des choses à travers nos souvenirs. Se souvenir d'une chose signifie la redécouvrir comme si c'était la première fois. Seuls les objets qui durent dans le temps peuvent être réellement appréciés, car ils sont remplis de souvenirs et d'histoires.